Au début, je savais pas qu'il y avait des fourrières. Qui a produit pas? Oui. Bien sûr, tout plat, tu veux. Je ne dis jamais Facebook, mais je peux regarder des trucs. J'ai jamais écrit un truc sur Facebook. Je vais Thank you.
sur vous. T'as bien à faire. Ouais, je pense que ça fait mille fois, il faut peut-être réfléchir à deux fois, mais pour ce matin, c'était ce qu'il fallait faire. Non, mais la clé, c'est que c'est l'idée qu'on est sorti, qu'on a fait le break. Parce qu'en fait, on était tendu. Ça met l'impression que je vais être très fort. Dès que tu sors de là, après, il y a tout qui a l'impression que la lumière sur le terrain, comme si on voyait. On n'y voit rien, mais au début, il voyait mal, après, ça allait mieux. Tu me dis encore. Pour moi, le tour de réussite, je suis pas égal. En général, quand tu t'es perdu, ça va, ça vient ? Ouais, d'accord. Ça va ? Ça va, ouais. C'est un streaming vidéo, c'est un live ? Non, ça part en direct. Hein. C'est en direct, là ? Bah oui. Ah, sur quoi ? Sur le match est fini. D'accord. Alors, t'as trouvé un partenaire ? Non, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai vachement progressé. Je pas d'œil, je commence à pratiquement à être sorti du tennis. Et je suis passé de droite à gauche, de gauche à droite, au début je suis arrivé, je suis droitier, je suis gauche. Je dis non, t'es grand, faut toujours à gauche. Puis à gauche, j'étais pas du tout, il n'y avait rien. Je suis passé à droite, puis à droite, je suis retrouvé dans un truc vachement étroit. Et en fait, là où j'ai progressé, c'est tous les fois ce plateau, mais j'arrive mieux à les faire à gauche, et je le défends beaucoup mieux à gauche, on va plus. À droite, si quelqu'un commence à me chercher sur la vie, je suis mort. Donc en fait, maintenant, je joue bien à gauche. Le problème, c'est que moi, j'ai évolué, je suis entre deux. Je suis meilleur que les débutants, mais j'ai encore à progresser un peu par rapport à ceux qui sont juste au-dessus de moi. Tu sais, nous, notre niveau, c'est pas non plus un niveau exceptionnel. Après le paddle, c'est quand même vraiment pour finir. Le paddle, t'as toujours l'impression de pouvoir jouer, mais après, il est quand même la marge en face. Hein. Non, je suis d'accord, mais pour finir, comme je n'arrive pas à trouver de partenaire, comme je suis vieux et j'ai plein de copains, je connais, tout le monde me connaît parce que j'ai fait jouer tout le monde. Vous avez fait débuter. Il y en a, je leur demande même pas parce qu'il faudrait que ce soit eux qui me proposent. Ils veulent pas jouer parce que je vois que je suis trop vieux, ça rien. Du coup, je suis entre deux. Alors, j'arrive pas à trouver. Je trouve que des partenaires de droite qui sont bien moins bons que moi. C'est une catastrophe, il faut voir, mais une cata. Alors, je joue avec eux, j'ai pas le choix. Il y en a un qui est pas mauvais, mais c'est un joueur de gauche. Alors, du coup, je joue à droite avec lui parce qu'il est un peu meilleur que moi. Moi, ce qu'il faut, c'est que je trouve un gars à droite qui soit même un peu meilleur que moi. Parce que moi, je progresse. Moi, quand c'est des parties, il y a du rythme, je monte mon niveau.
pour être quoi, deuxième et troisième? Ouais. Un quart d'heure, quoi. Un quart d'heure, ouais. Plus, pas une heure. Un quart d'heure, c'est bon, un quart d'heure. Mon quart d'heure, c'est bon. Un quart d'heure pour casser le... Parce que les autres sont partis. Sont partis où? Ah bah, elles sont parties, elles sont plus là. Alors, elles arrivent. Bon, ça va. C'est 10 minutes, normalement. Donc, en fait, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir des parties. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure, je crois. Un quart d'heure, c'est 10. 10? Non, moi, c'est 10 entre les 3 et 2. La fin du deuxième et le troisième, c'est 10 minutes. Donc maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui joue bien à droite et avec qui je peux prendre aussi. Voilà, c'est tout. Et moi, je ne veux pas non plus aller quémander. Il n'y a pas là-bas, là. Il y a du monde, tu ne veux pas lâcher Fouquet là-bas, il y a du monde, quand même. Oui. Tu n'arrives pas à trouver là-bas? Pour l'instant, non. Non, je sais. En plus, là, je suis un peu pareil. Les mecs, quand ils sont plus jeunes, ils sont trop jeunes, ce qui est aussi normal. Le problème, c'est de trouver quelqu'un qui est disponible comme moi, qui peut jouer en semaine, qui peut partir faire les tournois le week-end. Moi, je fais du mot tennis, moi j'aime bien aller dans les clubs, j'aime bien me déplacer. Donc c'est sympa, tu fais des clubs. Et puis tu joues des matchs avec des mecs qui n'acceptent pas de jouer avec toi en temps normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un jeu à deux. Moi j'avais arrêté, je continue au tennis, j'étais tout seul. Et là il faut être deux qui jouent la même philosophie, même état d'esprit. C'est tout un mec qui fait la gueule, chaque fois qu'il prend un point. Ah non, mais ça va rien, ça va. Moi c'est une fois les points. Moi je vais faire en double au tennis. Ouais, mais c'est important. Intermédiaire, je pense qu'il y a plusieurs, il y a quatre couches, je pense. Il y a vraiment la couche débutante, il y a la couche moyen, il y a la couche confirmée et la couche des meilleurs. Quoi. Oui, bien sûr. Après, je vois, tu vois, ici au club, il y a plein d'équipes comme Brizzi, tout ça, le jeune, ça joue bien, mais c'est pas le niveau. Quand on les a joués, nous, par exemple, avec Guillaume Couillard, on lui dit le jeune, on les a joués en qualif, là, bien sûr. On fait rien. Bon. Des 8 jours, quoi. Tu vois, je veux dire. Oui, parce que toi, t'as une main. Non, mais là, tu peux rentrer sur un terrain sans avoir joué. T'as une non, main, non, non, non. T'as eu un niveau de tennis avec tellement. Avec des répadeurs, c'est plus beau quand même, parce que c'est pas facile, bien sûr. Les mecs, c'est joué. Après, on a perdu qu'un match. Je dis, c'est contre Pécri, qui sont vraiment du. C'est bien, mais on pense à 5-7-5. Tu vois. Je pense que c'est 4 coups contre Pécri. Je pense qu'on a fait 6 débutants, moyen, confirmé. Il n'est pas très top. Mais top, ça reste pas top par rapport à d'autres, mais top par rapport au niveau départemental. Toi, t'as dit, en fait, tu joues, mais c'est vraiment que tu trouves bien. Toi, tu trouves quelqu'un qui soit plus bon. Le problème, c'est que. Hein? C'est vrai? On repart? Allez. Tiens, je suis embauché par Bada Magazine. Ah, ça y est. Ah, mais lui, il parle en russe. Je peux faire, je peux faire l'allemand, je peux faire l'italien, le français. Et là, ça change. Le japonais, si je vais essayer un peu dans le temps. Il y a un point sympa, tu l'as. Il y a Prussian Deutsch, il est venu. Il est Prussian Deutsch. Regarde, lui, il est plus bien dans la main. Il joue bien, j'ai pas vu jouer Franck. Il est pas de depuis mon temps, là, je trouve qu'il joue très bien, Franck. Donc, Franck, ce qu'il y a, c'est qu'il est gonflé. Pas vu jouer. Il est gonflé. Moi, je veux dire quoi, il est gonflé. Parce qu'il me fait sentir, il est gonflé. Tu fais une gonfle avec la pomme. T'as pas le droit, ça va manger, ça, non? C'est pour les humanoïdes, pas pour les robots. Hein. Il y en a deux que je peux. Je peux commencer. Voilà. Il y a un set partout, combien là? La TFA. Il commence. Il y a premier jeu du troisième. Premier jeu du troisième là. Ou deuxième jeu plutôt. Premier jeu, deuxième jeu. Je crois que c'est sa chaise. Non, elle n'a rien à faire. C'est ça. T'as regardé si on est. Parle-moi, mon coucou. Deuxième jeu. Attention, t'as vu comment il a réussi à te virer? Ah, merci, maintenant je parle. En fait, il est là. Moi, je fais tirer, tu la vire. C'est ça qu'il a bien, on ne veut pas que ça se. Pour pas qu'il soit emmerdé. Le mec, il est très fort. Tactiquement, il est au point. Non, il est pas encore. Ouais, on ne pas. C'est pour le faire. Attention. Okay.
Là, je te mets là. Putain, il est trop drôle. Il y a un 0-3ème. Mais c'est quoi ça? Une finale de tournoi de paddle. Open paddle. D'accord. C'est champion de France. C'est les champions de France en France? Oui. Ça touche. Allez les amis, c'est reparti. Avec cette grosse demi-finale. Entre deux chaumes, Clément et Claire Casanova. On est dans le troisième set, un set partout, 7-5 en faveur des numéro 1 françaises et 6-1, 6-0 même dans le deuxième set. 6-0 dans le deuxième et 2-0 dans le troisième. 2-0 dans le troisième set. Pour Christina, Clément et Alexia Dechaume, nous avons avec nous notre fidèle, notre extraordinaire Christian Collange. Comme ça, c'est pareil avec toi. Qui ne pensait pas forcément au départ que cette demi-finale allait être si compliquée. Non, je pensais quand même que l'équipe championne de France avait quand même un temps d'avance et une petite marge. Mais on se rend compte, on a parlé tout à l'heure, avec l'arrivée maintenant d'équipes rapportées, avec Christina quand même, qui a une expérience quand même du paddle de haut niveau, elle était numéro 1 française quand même, donc elle a l'expérience du paddle, et depuis 20 ans, et puis associée à Alexia Dechaume qui a été dans les top mondiales tennis, je pense que ça pouvait faire une petite, ça pouvait les accrocher, mais pas pour l'instant, pas les battre quoi. Pour l'instant, on va droit vers un beau troisième set, il y a 2-0 troisième pour Christina Clément et Alexia Dechaume, c'est pas encore fini, mais c'est vrai que le match, je ne pensais pas qu'il allait être aussi serré que ça. Et toi alors Christian, parce que, bon, d'accord, ok, tu gères le club, un magnifique club avec de nouvelles constructions. Maintenant, je sais qu'une raquette à la main, mes sources sont cette fois-ci certaines, sûres, il paraît que t'es loin d'être manchot. Non, mais ça me plaît, bien entendu, je veux dire, c'est la raison, une des raisons pour laquelle on a mis un complexe de ce niveau ici, c'est que vraiment ça me plaît. C'est le tennis, à mon âge, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que le paddle, j'ai trouvé une passion, comme beaucoup de tennismans, sur le paddle. Et donc, je m'amuse vraiment énormément. Et c'est vraiment une passion maintenant. Gros point de Laura, qui vient nous faire une jolie bandera. La balle n'a pas rebondi. 2-1, troisième, donc. 2-1, ouais. Pour Clément, au troisième set. Alors, nous avons Monsieur Guillaume Poulain, un joueur connu d'Île-de-France, avec son partenaire Hiram, qui a fait une très belle prestation récemment au Club des Pyramides en atteignant les quarts de finale. Ah, Virginie, qui encourage Christina. 6-3. Il y a Julien aussi, qu'on attend toujours pour la partie de paddle. Non, ça arrive. Là, au dernier tournoi ici, il avait perdu un set contre Gérard Dumas-Sandé. Enfin, pas de match. 6-0, par contre, ça fait. Une balle un peu trop flottante peut-être hein, de Laura et Christina derrière a magnifiquement bien entré. Je suis en train de commenter les matchs.
faut le dire à Filaouer. Hein, t'as bien fait, t'as bien fait, super. C'est un beau match, hein, avec de beaux points, des points qui durent. Ça joue très très bien, ça joue juste, c'est vraiment d'un très très haut niveau. Et c'est agréable de voir ce niveau-là ici, quoi. C'est vraiment une super demi-finale. Christina joue très bien, tient bien l'équipe. Alexia, avec sa main légendaire, fait vraiment du super point. Donc ça va être très indécis jusqu'au bout, je pense. Donc Alexia, elle reste plantée à la volée, elle bouge pas, malgré que la balle soit courte. Elle est courageuse. Audrey tape fort. C'était Alexia, elle pas bougé, on retrouve un peu son jeu de tennis, ouais. Hein, c'est-à-dire c'était une des joueuses de tennis atypiques qui jouait beaucoup en chop, beaucoup à la volée quand elle était au top niveau, donc ça aide beaucoup au paddle. Hein. Alors pour les championnats de France, j'ai appris que malheureusement Alexia ne pouvait pas les faire. Donc la paire qu'on voit là actuellement, malheureusement Christina ne pourra pas jouer avec sa partenaire. Non, mais je pense que Christina a plusieurs partenaires. Je pense des fois elle joue avec Virginie aussi. Je pense joue avec Virginie, oui. Elle a joué quelques tours avec, donc je pense qu'elle a d'autres partenaires. Alexia ne pourra pas les faire effectivement, c'est dommage parce que au niveau de l'équipe, c'est quand même dommage, mais je pense que chez les filles, il y a quand même beaucoup de très bonnes joueuses. Oui, donc oui, il y aura de quoi. Ah bah Virginie, ça joue très bien ici. Bien sûr. Elle n'a pas pu jouer le tournoi ici parce que sa partenaire Elodie s'est blessée à Marseille, donc elle n'a pas pu jouer malheureusement, elle était dans le tableau. Ouais, il y a 2-1 toujours pour Clément. Ouais, 2-1 Clément. Égalité. 2-1 égalité. Troisième set, 2-1 en faveur de Chaume Clément. La paire qui se trouve en face de nous. Enfin au fond, voilà. En tout cas. Donc qui ont débriqué en réalité tout à l'heure. Oui, tout à fait, d'entrée ça a débriqué de suite. Ouais. Alors on est reparti sur donc là une balle de partout. Donc, une balle de deux partout. Ouf, oulolololo. Christina qui est jouée en Angleterre à Birmingham. Il y a encore peu de temps. Et puis elle est de retour sur la dans son fief, on peut dire ça comme ça. Sur la Côte d'Azur, voilà, tout à fait. Elle était à l'origine aussi ici. Ouais. Hein, de, celle qui nous a aidé à lancer le paddle ici, qui était en tant qu'enseignante. Donc elle a bien aidé aussi au niveau du club au lancement de l'activité ici chez nous, dans l'extrême sud-est. Oh là 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 là, Alexa qui nous fait un festival. Ça joue très très bien, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'agressivité dans le jeu. Ouais, elle est très agressive. Voilà, très agressive en face, c'est plus agressif en face que Laura Clerg et André pour l'instant. Mais c'est vrai que ça joue très très bien.
Bravo. Oh là. Très très bien joué. Donc, très, balle, peu fois, très peu de fois, beaucoup de points gagnants. Balle de break, une nouvelle fois. Voilà, balle de avantage 3, hein. Dehors. Balle de 3. Hein. Pour mener 3. Hein. Non, non, Alexia, le filet, ça ne marche pas. Hein. Elle a essayé, on ne sait jamais. Fou. Balle de partout. Derrière nous, une très bonne joueuse de paddle, Pauline Ramboisé, qui a fait un beau tournoi. Quart de finale. Oui, quart de finale. Quart de finale. Joueuse que tu connais bien, je pense. Je la connais bien. Je la pratique. Je sais pas si elle va apprécier, tu t'arrangeras avec elle après. On part sur un gros troisième set. Hein. Ça a l'air très. Ah oui, on n'avance pas. Hein. Les jeux très serrés, très longs. Comme le premier. Ouais, ouais. Enfin, un deuxième set quand même particulièrement express. Hein. Oui, mais le premier set a été très serré et souvent le second, quand c'est comme ça, ça risque de basculer d'un côté ou de l'autre très facile. Et là, ça a basculé du côté opposé. Alors, pour la petite histoire, au premier set, vous ne l'avez pas vu, mais Christina Clément et Alexia Dechaume ont eu une balle de premier set à 5-4. Qu'elles ont perdu 7-5. Ouais. Et elles perdent finalement 7-5, sachant que cette faute était un peu bête puisque c'est une faute directe de Christina sur un passing qu'elle aurait pu mettre dans le terrain. Et elle était un peu frustrée. Nous avons Jonathan Joe Saleta, le Lillois, le juge-arbitre. Et puis nous avons Thomas Morand, le Lyonnais. Qui a fait d'ailleurs beaucoup de progrès. Il se distingue actuellement à paddle central. Joue à paddle attitude. Le club qui a accueilli les championnats de France il y a 2 ans. Ça paraît déjà très loin. Et pourquoi il y a 2 ans d'ailleurs? Il y a 1 an. Deux en faveur de Christina et d'Alexia. Elles menaient 2-0. Elles se sont faites débreaker. Service à Laura et Audrey. Mathieu Barraud qui nous rejoint, qu'on attend également sur la piste. J'imagine qu'il doit être sur la plage. À la plage.
El Senior Fabien Weber. Ouais. Très très bon joueur. Joueur parisien. Qui joue entre autres à Padel Horizon. Qui a rejoint le live. Un petit peu en méforme d'ailleurs, la paire Weber-Lapouge, mais qui sera certainement de retour prochainement au gros tournoi au P1000, au Head Paddle Open, dans deux semaines. Service Christina. Un certain Mathias Lefebvre qui vient de nous rejoindre, le joueur du tennis club du PEC avec ses deux terrains de paddle, qui organisera d'ailleurs dans 2-3 semaines un P500. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est avec nos portables et on essaie d'y répondre au fur et à mesure. Christina vraiment a une volée de coup droit très intéressante parce qu'elle coupe énormément la balle. Du coup, la balle ne rebondit pas et c'est grâce à ça qu'Alexia a pu derrière terminer. Hein. Voilà, elle prépare très bien le point. Quoi. Elle a des premières volées et une seconde volée très tranchante, très basse, très coupée. Ce qui fait que derrière, on peut prendre le filet et conclure pour Alexia. Ouais. On sent qu'elle a travaillé les figures. Hein. C'est très très chaud. Oh là 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 là.
4-3, 4-3. Ouais, quelques petites fautes dans ce jeu qui leur coûtent cher. Ouais, qui coûte le break. Hein, donc, coûte le break et... On va voir si Nari va le reprendre rapidement parce qu'on arrive à la fin du set maintenant. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour faire... Pour adresser un petit bonjour à Adrien Maigret et Thomas Schmitt, qui sont les commentateurs, vos commentateurs habituels. J'espère que les gars, on ne vous déçoit pas. Bon, faut dire qu'avec Christian, on assure, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Non, on leur restera la place sans problème. Ah oui. Avec grand plaisir, ouais. Ils sont vraiment très bons. D'ailleurs, pour les interrégions, alors ça devrait peut-être changer, mais on attend de voir ce que nous réservent ces interrégions avec ces ligues. Il y en a à peu près 3 à 4 par interrégion pour les championnats de France de paddle. Et si on reste dans la même configuration que l'année dernière, on risque de se retrouver avec les frères Maigret et Tison Pommier avec les paires de Côte d'Azur qu'on connaît. Ça risque de faire très très mal. Hein. Le niveau sera haut hein, cette année, hein. Je pense les équipes en lice, donc ça va être sympa. Et je pense que normalement, nous, peut-être que ça se jouera chez nous, peut-être à Beausoleil, on ne sait pas encore. On a postulé, la fédération, on a postulé pour après la régionale qui sera chez nous de 3 au 6 juin pour avoir l'interrégional chez nous en septembre. Mmh. Et avec plaisir, si ça se joue chez nous, bah, c'est avec grand plaisir qu'on accueillera tous ces grands joueurs de toute la France. Alors, je reçois des messages, mais il vaut mieux les mettre sur le live. Alors, pour répondre aux interrégions, l'année dernière, c'était la Normandie qui était dans le groupe de la Côte d'Azur et des Yvelines. Maintenant, peut-être qu'il pourrait y avoir des modifications concernant ces interrégions, puisqu'évidemment, les Yvelines est une tête de série aujourd'hui avec ses grosses paires. Donc ce ne serait pas illogique de voir la Ligue des Yvelines jouer avec une autre ligue que la Ligue Côte d'Azur. Il y a des fautes, hein. Là, depuis un sens qu'elle a peut-être un petit peu... Un peu de fatigue aussi, peut-être. Le match est quand même intensif, beaucoup d'échanges, donc sur la fin, un peu plus les nerfs. Ils sont en train de prendre l'ascendant. Oh là là. Très, très, très bien joué, Daudrey. 5-3. 5-3, ouais. Break confirmé. Oui, Guillaume, effectivement, on est bien, je te confirme, Guillaume Oliveira, qu'on est bien avec Christian. On regarde un beau match dans un super club. On aura les finales à 14h30. Finale dames et messieurs qui auront lieu en même temps malheureusement, donc on n'aura droit qu'à un live. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura le match en différé sur la page YouTube concernant l'autre match. Et il y aura les interrégions de la Ligue des Ligues du Nord au Fox Center avec ses 5 et 6 terrains, bientôt je crois indoor. Si monsieur François Lusinard peut juste me préciser cela. Beaucoup d'effets.
là 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 là. Magnifique, magnifique. Magnifique Dodré vraiment qui joue extrêmement bien. Je la surprends d'ailleurs à faire des volées de revers à deux mains, de plus en plus. C'est toujours surprenant, parce que tendance à dire de faire des volées à une main côté revers, mais ça marche bien aussi à deux mains, j'ai l'impression. Laura qui tout à l'heure me fit de très très beaux lobes et ça gêne hein, en plus avec le soleil derrière. Ah, il y a le soleil qui est sorti là maintenant. Donc c'est une arme indiscutable. Et le général François Lusinard qui nous indique qu'il y a actuellement 5 terrains mais bientôt peut-être 6 terrains de paddle, donc j'étais pas loin. Oulalalalala. 5-4. Deux erreurs là qui permettent à Christina et à Alexia de revenir à 5-4. Maintenant elles vont devoir débriquer si elles ne veulent pas perdre ce match. Ouais. Et puis on. Donc Kiki. Ah. Un jour on va avoir un problème. Pourquoi hein. Tu m'as pas vu jouer. Toi là. Il fallait lâcher la raquette et. T'es énervé. Ah ouais. Ouais. Ah, vous êtes sous micro, c'est bien. Tu peux parler, ça, tu voulais parler un peu. Tu veux une minute. Et on a Fabrice qui nous dit, on part. Nous avons Fabrice Pasteur avec nous qui est un petit peu déçu quand même peut-être d'avoir perdu en demi-finale. Salut Fabrice. Je serais déçu si j'avais joué au padel. J'ai fait autre chose. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bonne journée. Oui. Tu mets là. Hein. 15-1. C'est vrai, 15-0, non. 30-15. Ça joue. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça joue bien, là. Ça joue bien. Ouais. Très, très costaud. 40-15 et 2 balles de match. Ouais,
Eh bien, c'est une belle victoire. Très beau match. D'Audrey et de Laura. Une très, très belle victoire parce que il y a eu des hauts débats. Mais bon, quand même, globalement, un très beau match. Puis rappelons qu'elles peuvent peut-être, sans vouloir, d'avoir perdu le premier set, Christina et Alexia, puisque rappelons-le, elles ont eu une balle de premier set et qu'elles menaient 5-2. Tout à fait, ouais, tout à fait. Match très serré, match très haut niveau quand même, hein, ouais, très ouais, haut niveau, ouais, ouais, ouais. Avec un super troisième set. Bon, bah écoutez, je vous dis à tous à très vite, puisque les finales auront lieu à 14h30. Nous aurons une finale, messieurs, en live, France-Espagne. Exactement, voilà, c'est une belle confrontation avec les Espagnols bien entendu favoris, bien entendu, qui font figure d'épouvantail dans le tournoi, mais sur un match et sur une finale, tout pourrait arriver. Christian, eh ben merci. Avec grand plaisir. C'est l'heure de l'apéro, non ? Voilà, à l'apéro. Allez, à l'apéro. À bientôt. À tout à l'heure.